Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un autre talent. Ici on est à Roncq, on est dans une boulangerie et on est dans la boulangerie de Damien qui va se présenter maintenant. Alors bonjour, je m'appelle Damien Chambard, de la maison Chambard, boulangerie pâtisserie à la française. On est ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h. 7h à 13h, d'accord. Et 14h-19h. Et le dimanche de 7h à 13h. Et dimanche matin. Alors, ce qui m'intéresse toujours dans les vidéos, c'est de voir, en fin de compte, les talents et des choses qui sont assez particulières. Parce que les boulangeries, il y en existe plein dans le Nord-Pas-de-Calais, à Roncq, il y en existe plein. Mais ici, c'est vraiment très particulier et ça, on va le mettre en avant. Alors, déjà, il y a une chose qui va se préparer dans peu de temps. Damien m'a parlé, alors pour l'instant, je ne vais pas vous dire la recette, mais il va vous présenter une baguette avec des ingrédients très originaux. Donc ça viendra un petit peu plus tard. Mais par contre, la spécialité de Damien, il retravaille les recettes. Ouais, c'est ça. On essaie de travailler exclusivement avec, déjà avec des produits de saison. Ouais. Et de retrouver ces pâtisseries que tout le monde connaît. Ouais. Un peu retravailler pour mettre un peu notre pâte, notre signature à nous. Alors, tu parlais tout à l'heure, il y avait une religieuse. Alors, j'ai vu, ça ressemblait à une religieuse, mais en fait, quand je me dis, c'est quoi que tu as mis dedans? Ouais, c'est ça. Tu as retravaillé comment? Nous, on vient mettre un craquelin par-dessus. Alors, c'est un petit biscuit pour donner un peu plus de croquant à la religieuse qu'il n'y a pas. Parce que la pâte à choux est moelleuse. Et c'est ça qui rapporte un peu cette régularité sur chaque produit tout au long de la production. Alors pour susciter l'intérêt, parce que en fin de compte le but c'est que vous puissiez venir goûter et de voir qu'on ne s'est pas trompé au niveau du goût et au niveau des produits, c'est qu'en même temps Damien, pas comme les autres boulangeries, travaille avec des produits de saison, c'est ça? Comme ici, aujourd'hui, on est au mois de février, fin février, on est le dernier jour de mois de février, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de tartelette à la fraise, parce que les fraises, vous savez que c'est pas en février. C'est plutôt des produits de saison, donc par exemple des produits. Alors là, en ce moment, on est sur la poire, oui. On est sur le marron, la noisette. Donc on essaie de trouver avec ce produit-là, de travailler chaque recette. Donc là, on est sur un biscuit spéculoos praliné avec une mousse poire, des poires caramélisées. On est sur un Mont Blanc, donc oui. C'est on part plus sur la meringue, une pâte de marron relâchée un peu à la chantilly. D'accord. Donc c'est des vieilles pâtisseries et on essaie de diversifier par rapport. C'est toi qui as l'idée en fin de compte un petit peu de repenser un petit peu les choses. C'est ça. Pour faire le côté du gâteau qu'on connaît d'habitude, l'éclair au chocolat, mais là un petit peu différent. Et là ça fait la particularité et ça fait qu'en fin de compte on vient ici et pas dans une autre boulangerie. Parce qu'ici, par exemple, l'éclair au chocolat ou au caramel est très bonne, mais il y a le petit doigt, en fait, la petite pointe de Damien qui fait que ça soit tout à fait différent. Ouais, c'est ça. On essaie aussi d'avoir que du frais, donc que ce soit sur le pain ou la pâtisserie. On travaille exclusivement en produit frais, pas du tout surgelé. Et alors là, juste dans la vidéo, pour vous prouver que c'est vrai, c'est que c'est pas surgelé. Là, le pain, là, il est en train de tourner. Enfin, c'est le pain et la préparation pour les poissons. C'est tout fait ici sur place. Il n'y a pas de surgelé, c'est tout fait maison. C'est Damien avec son équipe. Il y a même une personne, une dame qui fait beaucoup de chocolat, qui a eu des prix de chocolat, ouais, etc. Ouais, en ce moment, on a une championne de France de chocolaterie de 2012. Pas mal. Et, on a pas mal de niveaux, pas mal de bonnes idées et des projets qui arrivent. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas une boulangerie comme d'habitude, c'est pour ça que je fais cette vidéo et venez dans cette boulangerie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a fait envie de venir dans la boulangerie de Damien. Une petite chose, c'est qu'ils font des cookies avec du nougat, c'est délicieux. C'est pas facile à parler, mais c'est délicieux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut en bas de la vidéo, mettre des commentaires et partager cette vidéo. Et surtout, ce que je vais vous demander, c'est d'être malin et de venir dans la boulangerie de Damien, parce qu'en même temps ça rime, venir dans la boulangerie de Damien et soyez malin, c'est très bien, ça rime et j'aime bien ça. Voilà, merci ton accueil Damien. Merci à toi. Merci à toi et diffuse ton talent et j'espère qu'il y aura beaucoup de clients comme aujourd'hui, il y a énormément de clients. Donc c'est que ça se voit au niveau de la qualité et rapport qualité-prix, c'est très intéressant. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.